Of the Senate for kindly giving me the floor again. Mr. Minister of Public Health, I offer you my most respectful compliment and thank you for the insights you would like to give us on the subject of the allocation of public resources in favor of population health. Dans la revue des dépenses publiques du Cameroun, publiée par la Banque mondiale en mai 2018 et présentée à nos partenaires techniques et financiers, notre pays apparaît sur un échantillon de 24 pays africains, à l'avant-dernière place en matière de volume de dépenses accordées au secteur de la santé. Ce volume de dépenses accordées au secteur de la santé représente environ 1% du PIB, presque au même rang que la Sierra Leone et le Soudan, alors que des pays comme le Burkina Faso et le Burundi y consacrent 3% de leur PIB, le Gabon et Djibouti 5%, le Congo 8%, pour ne citer que ceux-là. Le même rapport de la Banque mondiale montre que sur la période 2015-2017, au Cameroun, la répartition du budget de la santé par région ne tient pas compte des besoins des populations, de leur statut économique, du fardeau de la maladie et du contexte sécuritaire. C'est ainsi qu'il montre que les régions du Nord-Ouest et de l'extrême nord, pourtant fragilisées depuis plusieurs années par l'insécurité, sont parmi les régions qui bénéficient le moins du soutien en matière de santé. What do you think of this data, Mr. Minister? Have they evolved significantly since you were in charge of public health affairs in our country? Ne faudrait-il pas allouer plus de ressources aux formations sanitaires de soins primaires et un peu moins aux hôpitaux régionaux et de référence? Autrement dit, ne faudrait-il pas repenser le mix sanitaire, c'est-à-dire l'équilibre entre les formations sanitaires de soins primaires et les hôpitaux régionaux et de référence, toutes choses étant égales par ailleurs? Should we not also rethink the purchasing system of pharmaceutical products? Should we not also generalize the PBF program, the performance-based financing program in the public health sector? Thank you, Mr. Minister. Thank you, Mr. President of the Senate. Distingué président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais très sincèrement et respectueusement remercier Monsieur le Président du Sénat pour cette opportunité et ce privilège qu'il me donne de prendre la parole et de pouvoir apporter quelques éléments d'éclairage aux préoccupations posées par Monsieur le Sénateur Pierre Flambeau Ngaïap, qui dénote d'ailleurs de l'intérêt que vous portez aux activités du ministère de la Santé publique. Monsieur le Sénateur, merci pour vos interrogations et je sais par ailleurs que vous contribuez beaucoup à l'avancement de ce secteur et à la modernisation de notre système de santé, notamment dans le domaine pharmaceutique. Monsieur le Sénateur a évoqué à cet effet les données de la revue des dépenses publiques du Cameroun
publié par la Banque mondiale en mai 2018 et qui situe la part du financement public alloué au secteur de la santé à seulement 1% du produit intérieur brut, alors que d'autres pays africains sur l'échantillonnage de 24 évalués y consacrent 3% à 8% si on prend le Gabon et le Congo. Monsieur le sénateur, bien que ces données proviennent d'une source assez crédible, elles me paraissent tout au moins discutables à plus d'un titre. D'abord, sur la notion de ressources publiques allouées à la santé. Ces données ne peuvent se comprendre que si l'analyse n'a pris en compte que le budget alloué au seul ministère de la Santé publique. Or, vous le savez très bien, notre collègue, le ministre des Finances, est d'accord avec moi que d'autres administrations publiques qui ont des formations sanitaires ou qui interviennent dans le domaine de la santé bénéficient également des allocations budgétaires qui devraient être prises en compte dans la fonction santé. Il s'agit notamment des ministères en charge de la défense, de la justice, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires, de l'éducation de base, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de la Délégation générale à la Sûreté nationale, et j'en passe. Dans le même ordre, il arrive tant au ministère des Finances qu'à celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de faire des appuis ponctuels en termes des structures sanitaires publiques et même privées qui ne ressortissent pas toujours du budget de notre département ministériel. Bien plus, d'autres sources de données, tout aussi crédibles que rigoureuses, telles les statistiques du ministère des Finances, les comptes nationaux de la santé ou encore les publications de la base des données de l'Organisation mondiale de la santé sur les dépenses de santé mondiale indiquent que la part du budget de l'État alloué au secteur santé oscille entre 3% et 4%. En 2021, par exemple, les dépenses de santé étaient évaluées à 3,82% suivant l'OMS. Il y a eu certainement une amélioration. Entre-temps, 2021-2024, les estimations des prochains comptes nationaux de la santé vont produire les données actualisées sur cette question. Ceci étant, s'il est possible pour la Chambre de plaider en faveur d'une augmentation des ressources allouées au secteur de la santé, ce serait toujours avec beaucoup de plaisir et surtout d'abnégation et de dévouement que les soldats de la santé prendront la nouvelle et se mettront au service des populations camerounaises. Il y a tout de même lieu de reconnaître dans cette lancée que malgré les efforts faits par le gouvernement de la République, la part des ressources publiques allouées au secteur santé reste quand même insuffisante d'après ce que vous venez de dire, au regard de tous les engagements pris et surtout de l'engagement pris dans le cadre de la déclaration d'Abuja de porter les dépenses de la santé à au moins 15% du produit intérieur brut. Aussi, dans la recherche des solutions pour améliorer la mobilisation des ressources additionnelles
en faveur de la santé, une nouvelle stratégie de financement donnant la part belle à des financements innovants et identifiant des niches potentielles a été élaborée par notre département ministériel et soumis à l'étude du gouvernement. Par ailleurs, nous déployons depuis avril 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans sa phase 1 qui offre une bonne opportunité pour la fédération des ressources disponibles en faveur du financement des dépenses de santé des ménages dont la contribution reste élevée. L'interpellation donc de M. le sénateur Pierre Flambeau Ngaïap a donc le mérite de nous permettre de faire une fois de plus, et c'est le lieu d'ailleurs de le dire, à quelques mois seulement, un plaidoyer pour le relèvement progressif du financement de la santé dans notre pays. De même, les allégations sur l'allocation aléatoire du budget aux régions et la non prise en compte de certaines régions fragilisées par l'insécurité telle que l'extrême nord et le nord-ouest m'inspirent quelques réserves assez justifiées. Il faut le relever d'emblée, l'allocation des ressources budgétaires en interne au sein de notre département ministériel se fait au terme d'un processus objectif et participatif qui prend en compte les besoins des populations consignées dans la banque de projets, du niveau de maturation des 10 projets, du profil épidémiologique, du poids des structures, de l'équité, du contexte sécuritaire et bien entendu des orientations prescrites, notamment par la circulaire de M. le Président de la République relativement à l'élaboration du budget, les recommandations du débat d'orientation budgétaire que vous aurez très bientôt, le programme économique, social, culturel et sportif et la lettre de cadrage de M. le Premier chef de gouvernement, le tout sous l'encadrement technique bienveillant du ministère en charge des finances et de l'économie. Généralement, en cours, nous recevons beaucoup des projets venant des collectivités territoriales décentralisées et des régions. Des fois, c'est des projets non maturés. Des fois, c'est des projets suffisamment avancés et qui peuvent être inscrits dans notre CDMT. Et donc, nous faisons l'arbitrage au niveau de cela et nous lançons la construction, l'élaboration de notre CDMT, de notre budget. Il nous est arrivé d'envoyer à certaines collectivités territoriales décentralisées des fonds en termes de dans le cadre de la décentralisation et que ce fonds tombe dans le clos parce qu'il n'avait pas de projet à faire avec. Et ça, nous avons régulièrement eu ces genres de situations. Au regard des critères ci-dessus, les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient d'une attention particulière du point de vue budgétaire. Bien plus, des interventions spécifiques de santé y sont déployées pour tenir compte de leur contexte particulier, notamment la CPS, paludisme, le chèque santé, l'ATPC, la fidélisation des ressources humaines et tout le reste sont déployés dans ces régions dites difficiles ou à sécurité compromise. Monsieur le sénateur, vous avez terminé votre questionnement en évoquant quelques suggestions dignes d'intérêt sur lesquelles je voudrais dire un mot. Notamment, vous avez demandé s'il ne faudrait pas allouer plus de ressources aux formations sanitaires, de soins primaires et un peu moins aux hôpitaux régionaux dits de référence. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de transformation du système de santé camerounais, le temps d'agir, l'option de la viabilisation du district de santé a été clairement avouée et nous sommes en train de poursuivre avec cette politique. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités du district de santé et de ses formations sanitaires offrant
les soins de santé primaire, notamment le centre de santé intégré, ce qu'on appelle le CIC, le centre médical d'arrondissement, le CMA, et l'hôpital de district, afin que 80% des problèmes de santé des populations soient résolus à ce niveau de soins et de services. Beaucoup a été fait à cet effet au plan technique, en termes de réhabilitation, de construction des infrastructures, de rénovation, de relèvement du plateau technique, de mobilisation même des ressources humaines disponibles, de la définition de la carte sanitaire, des paquets d'activités par niveau de soins. L'affectation des ressources s'inscrit en droite ligne donc de cette ambition, tout en veillant à l'efficacité allocative et à l'équité dans l'allocation des ressources financières. Il faut toutefois relever qu'autant nous travaillons à densifier l'offre de soins de santé primaire de qualité, autant nous avons le devoir de renforcer nos formations sanitaires de deuxième, troisième et quatrième catégorie dans le but de rapprocher davantage les soins spécialisés des populations, de disposer d'un plateau technique moderne assez relevé pour prendre en charge les cas référés et les complications, mais aussi former les apprenants et réduire les évacuations sanitaires vers l'étranger. À titre illustratif, l'enveloppe destinée aux formations sanitaires a été répartie comme suit. 49% pour les CSI, les centres de santé intégrés, 15% pour les CMA, centres médicaux d'arrondissement, 15% pour les hôpitaux de district, soit un total de 79% des crédits budgétaires réservés aux formations sanitaires offrant les soins de santé primaire. Sur l'autre pan, c'est-à-dire repenser le système d'achat des produits pharmaceutiques et médicaux. Je voudrais dire que cette préoccupation, monsieur le député, devrait trouver une réponse efficace avec la récente réforme de la CENAME, la Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels et autres consommables médicaux, qui, en effet, le président de la République, son Excellence Paul Biya, au terme de l'audit organisationnel et fonctionnel du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, a pris l'initiative de redynamiser et renforcer le système d'achat et de gestion des produits pharmaceutiques et médicaux. Le décret du 25 avril 2024 réorganise la CENAME en le mettant sous le régime de la comptabilité privée OADA. Ceci devrait donc permettre à la dite structure d'être plus compétitive en ce qui concerne l'acquisition des intrants, le stockage et la distribution des médicaments dans le pays. Nous sommes aussi de travailler à la recapitalisation de l'entreprise pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Et donc, sur ce point, nous pensons que le plus dur a été fait. Maintenant, c'est la mise en œuvre de ces orientations, de ces textes qui a été pris par le Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. La dernière préoccupation, c'était la généralisation du programme de financement basé sur la performance PBF dans le secteur public de santé. Disons tout de suite que le projet PBF, qui était en mise en œuvre avec le concours de la Banque mondiale, est aujourd'hui à son terme. On lui reconnaît beaucoup de mérites, mais on a également enregistré pendant cette période beaucoup de dérives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de courir après, n'est-ce pas, le paiement de certains arriérés. Les orientations du gouvernement en la matière sont constantes en ce qui concerne la pérennisation, pas de la démarche comme cela, mais de la culture de l'achat des performances. Et dans la mise en œuvre de ces directives, le déploiement actuel de la phase 1 de la couverture santé universelle
a repris à son compte le mécanisme d'achat des performances prôné par le PIBF. Même si cela ne s'appelle pas PIBF dans notre contexte, la CSU utilise le même mécanisme pour rembourser les formations sanitaires enrôlées sur la base des résultats des prestations préalablement fournies et de leur qualité. Et nous avons mis un accent particulier sur la qualité dans les soins, dans les centres d'hémodialyse, comme vous le savez très bien. Toutefois, les réflexions se poursuivent avec le ministère des Finances pour adresser les contraintes autour de la mise en œuvre de ce mécanisme de gestion et notamment la question de la disponibilité de la trésorerie pour le remboursement diligent des prestations des formations sanitaires. Nous avons fait un état en ce qui concerne la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle. Nous nous sommes rendus compte que les résultats sont satisfaisants, l'engouement est perceptible au sein de la population, mais la difficulté serait la disponibilité des fonds pour le remboursement, pour le rachat des soins. Et tant que vous différez cela de plusieurs mois, je pense que la motivation va s'estomper et puis les formations sanitaires vont avoir des difficultés à fonctionner. Et là, nous aurons des problèmes. Donc, je pense que nous avons sauvegardé, pérennisé la culture de l'achat de performance. Maintenant, nous travaillons à comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre disponible, fluide, le remboursement ou bien l'achat de ces performances-là. Voilà, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, les quelques éléments d'éclairage que j'ai souhaité apporter aux préoccupations soulevées par le sénateur Monsieur Pierre Flambeau-Ngaïap, et que je voudrais encore une fois de plus remercier. Et merci aussi à tous les autres sénateurs pour tout ce qu'ils font pour l'avancement de notre système, la modernisation de notre dispositif sanitaire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.